Nous l'amorce samedi le 17 juin, c'est deuxième l'amorce contre la mafia. Nous t'y faisons, nous premier l'amorce contre la mafia samedi 18 mars 2023. Cette fois-ci, l'équipe sécurité de LPM et RM pour assurer qu'il peine à infiltrer. Donc la population est capable de participer en toute confiance, comme on cite à dire. Vous comprenez? Et là, on dit moun poupère, représailles, poupère, NSS peut prendre photo. Nous habitués à ça, nous photos, nous avons plein tous autres bandes mirailles d'après lui, dans la caserne. Mais mon camarade qui est père représailles, mon compatriote, mon patriote, mais ce quand mettre un masque, mettre une casquette, comme ça, pas qu'à reconnaître Dieu, comme on dit, était dans l'époque. Pour vous dire un autre point, la situation actuelle, il est tellement grave en matière de law and order, rule of law. Il y a une full-time Ministry of Home Affairs qui est bizarre dans ce pays-là. Le papier invente non rien, majorité pays démocratique, sauf Corée du Nord, et un ministre de l'Intérieur full-time. Parce qu'il problème la drogue, problème law and order, il est tellement grave, je me répète. Deuxième, pour résoudre problème, qu'il y ait la drogue, qu'il y ait corruption, qu'il y ait blanchiment, qu'il y ait fraude, pour nous, bizarre, il y a un tribunal anticorruption qui fonctionne séparément avec le modèle actuel.